Alors nous allons passer à la prochaine présentation. Alors c'est vous, Nicolas Chachereau. Vous êtes chargé de recherche à la section d'histoire de l'Université de Lausanne. Vous êtes collaborateur scientifique au laboratoire d'histoire, de sciences et de techniques de l'EPFL. Et vous venez de terminer une thèse en histoire contemporaine à l'UNIL en 2018 sur les débuts du système des brevets d'invention en Suisse. Thèse que vous a poussé à écrire un livre qui vient d'être publié d'ailleurs. Et puis votre intérêt depuis toutes ces années, c'est l'histoire de l'énergie, plus précisément liée aux infrastructures pétrolières en Suisse. J'en dis pas plus, je vais vous laisser présenter et je vais juste, on va prendre ce micro, pardon, je me suis trompée avant. Voilà, merci. Voilà, bonsoir, merci aux organisatrices et organisateurs. Et puis merci à vous tous et toutes d'être là. Ce que je vous propose ce soir, c'est de faire un peu d'histoire. C'est peut-être pas la discipline qu'on entend le plus à propos des questions de durabilité, mais les multiples crises environnementales en cours nous poussent à penser au temps. Et pas seulement au temps qui fait, mais aussi au temps qui passe. À l'avenir, quand on débat de quel environnement on va laisser aux générations futures, mais aussi au passé, quand on se demande qui est responsable, pensez au débat actuel entre pays à la COP27, ou lorsqu'on demande comment on en est arrivé là. Et en tant qu'historien, comme d'autres de mes collègues, je me sens assez interpellé par ces questions. Et en 2019, donc avant de commencer la recherche que je vous présente ce soir, à un moment où la grève du climat agitait beaucoup les écoles du canton, je lisais le livre « Fossil Capital » de l'historien et activiste Andreas Malm. Et un passage m'avait particulièrement frappé, que je vous lis maintenant en traduction. Si l'économie fossile est un train qui ne s'arrête jamais et accélère toujours, même à l'approche du précipice, il s'agit de tirer les freins, ou peut-être de sauter du train, à temps. Et s'il y a un conducteur qui nous en empêche, il se trouve probablement depuis assez longtemps dans la locomotive. Nous devons savoir qui il est et comment il travaille. Alors pour réfléchir à ces questions et peut-être esquisser un petit bout de réponse, je vous propose de partir d'éléments concrets et d'une énergie fossile en particulier, le pétrole. Alors il est intéressant de se souvenir qu'en Europe, la consommation massive de pétrole, c'est une affaire relativement récente. Merci. C'est une histoire qui correspond en gros à la vie de celles et ceux qui partent aujourd'hui à la retraite. En Suisse, les produits pétroliers deviennent la principale source d'énergie en 1956. Et ça s'inscrit dans une transformation très très rapide que vous avez à l'écran. Entre 1947 et 1973, donc en 25 ans, la consommation est multipliée par 20. Donc ça vous étonnera peut-être, les historiens n'ont pas encore beaucoup étudié cette transformation majeure. Beaucoup moins que l'hydroélectricité ou le nucléaire. Ce véritable boom de la consommation de produits pétroliers est souvent présenté comme allant de soi, parce que le pétrole était très bon marché. Des fois, on va même jusqu'à faire de ce bas prix la cause des autres problèmes environnementaux. C'est notamment la thèse de Christian Pfister, un historien qui travaillait à l'université de Berne et qui parle de syndrome des années 1950. Mais comme l'a écrit un autre historien, l'allemand Joachim Rathkau, le pétrole bon marché n'a pas coulé de lui-même. Et en effet, dans cette période des années 1950-1960, ce moment clé, c'est aussi le moment où on construit des oléoducs à travers l'Europe, l'Europe de l'Ouest, où on agrandit les raffineries qui existaient déjà et où on en construit des nouvelles qui se trouvent plus sur les côtes, au bord de la mer, mais dans l'intérieur du continent et jusqu'en Suisse. En quelques années, il y a 5 projets de raffinerie qui sont discutés dans le pays et 2 qui seront construits. La raffinerie de Cressier dans le canton de Neuchâtel, qui est toujours en activité, et la raffinerie de Colombey. Merci. La raffinerie de Colombey en Valais, qui est toujours en cours de démantèlement. Donc, je vais concentrer mes exemples sur le cas de Colombey, qui est celui que j'ai plus étudié. Alors, ce qu'il faut... Ce sur quoi je vais insister, c'est que la construction de ces pipelines et de ces raffineries n'est pas allée de soi.
bien souvent, et en Suisse dans absolument tous les cas, les projets ont été critiqués. Alors, il ne s'agit pas encore de CO2, hein, mais localement, on s'inquiète des pollutions potentielles, des fuites de pétrole dans les nappes phréatiques, dans les rivières, dans les lacs, et des émissions de fumée ou de gaz nocifs dans l'atmosphère. Vous avez des groupes particuliers qui s'inquiètent particulièrement, des fumées, des mauvaises odeurs. C'est par exemple le tourisme. Donc, donc la raffinerie est ici, a été construite ici à Colombey. Et juste en face, ben, vous avez Ollon et surtout Villars-sur-Ollon, et puis les Ins, des stations touristiques qui, en partie en plus, ont bâti leur réputation sur le bon air des Alpes et s'inquiètent donc particulièrement des fumées à venir. Un autre groupe qui s'inquiète des effets des gaz sur leur culture, c'est l'agriculture. Et dans le cas de Colombey, vous avez Aigle et Yvorne, où il y a évidemment une importante culture de la vigne. Vous avez aussi certains médecins qui rejoignent ces inquiétudes et ces critiques en matière de santé publique, et puis en partie des milieux qui sont dits de protection de la nature. Il n'y a pas encore de mouvement écologiste, mais il y a des milieux qui se disent de protection de la nature. Ces inquiétudes se traduisent dans la presse, par des interventions dans les parlements, par des argumentaires publiés en brochures. Et les opposants font aussi recours contre les autorisations de construire. Alors, la question, c'est quelles réponses reçoivent toutes ces critiques? Je vais en retenir deux. La première, c'est une croyance optimiste en des solutions techniques. On assure que tout sera mis en œuvre pour limiter les pollutions, qu'une raffinerie moderne est de toute façon propre. Il y a un voyage qui est organisé avec des représentants vaudois et valaisans qui se rendent en Italie pour voir les raffineries qui existent déjà. Et à leur retour, il y a des articles de presse, des communiqués officiels qui expliquent qu'il n'y a rien à craindre, ni pour le tourisme, ni pour les cultures. La deuxième réponse qui est faite à ces critiques est peut-être plus importante encore. C'est l'idée que la croissance économique, et particulièrement le développement industriel, sont absolument nécessaires. Et c'est une idée qui est alors très largement partagée. Il y a des oppositions dans les communes voisines dont je vous ai parlé, mais les projets sont aussi fortement soutenus à l'échelle communale et à l'échelle cantonale. Et à Colombey, on espère créer un pôle pétrochimique qui emploierait 2000 personnes. Bon, au final, ça sera plutôt 200 personnes à la raffinerie, pour vous donner une idée des espoirs qui sont mis dans cette affaire. Et le voyage en Italie est à nouveau un bon exemple de ça. Alors qu'il s'agit d'aller vérifier si la raffinerie pollue, il n'y a aucun, parmi les participants au voyage, aucun expert en pollution ou en santé publique n'est là. Sur cette photographie des participants, le personnage tout à gauche et le personnage tout à droite, c'est les directeurs des offices de développement économique cantonaux, respectivement vaudois et valaisans. Et la plupart des autres qu'on voit ici, donc tous ceux qui sont un peu au premier plan et ce personnage-là également, c'est des conseillers d'État vaudois et valaisans. Mais aucun d'eux n'est responsable des services de santé publique. Et d'ailleurs, tout au long des débats autour du projet de raffinerie, les services sanitaires se plaignent de ne pas être suffisamment tenus au courant. Puis enfin, à l'arrière-plan de l'image, donc notamment ces deux personnages-là, on trouve des représentants des sociétés qui projettent la raffinerie. Des représentants de l'ENI, la société pétrolière italienne, et puis des représentants de la société suisse qui veut construire la raffinerie. Et c'est eux qui organisent et qui encadrent le voyage et qui, d'après ce que j'ai pu trouver, semble-t-il, le financent largement également. Alors, je ne peux pas vous raconter ici toute l'histoire, mais ce que je peux dire, c'est que malgré cette bienveillance, citation de source, bienveillance des autorités envers le projet de raffinerie, à la fin, les conditions relativement strictes pour l'époque sont posées, mais il faut bien voir que c'est le résultat de ces critiques et de ces recours, qui, en tout cas en large partie, le résultat de ces débats. Alors, que conclure de ce petit tour dans l'histoire? Avant tout, que l'entrée dans la société du pétrole n'était pas une simple évidence, que certains de ses aspects étaient contestés, qu'elle aurait pu prendre d'autres formes. Mais j'aimerais souligner une autre chose. C'est que même si les pipelines et la raffinerie ont pu être contestées, elles répondaient aussi à et renforçaient et accéléraient des évolutions plus générales et des évolutions largement acceptées. Alors j'ai déjà parlé de la croissance économique qui demandait évidemment une quantité d'énergie formidable. Mais je peux aussi évoquer le confort. C'est le moment où le chauffage central au mazout se généralise. Voir qu'avant ça, dans les logements, on chauffe avec des poêles et on chauffe certaines pièces seulement. Donc là, c'est évidemment aussi une demande
accru en produits pétroliers. Et puis, ce que vous avez à l'écran, l'automobile. Exactement dans les mêmes années du débat autour des raffineries, on a la construction des autoroutes. Et on les construit, mais on les célèbre aussi, comme sur cette une de l'illustré de 1964. Alors, de ce point de vue-là, dans le train en route pour le précipice, peut-être c'est pas si simple de simplement désigner un conducteur qui nous empêche de tirer le frein. C'est peut-être pas simplement les autorités politiques ou les grandes firmes pétrolières, mais c'est plus largement le fonctionnement de nos sociétés et de nos économies. L'entrée dans le pétrole, elle a tout réorganisé. Alors pour tout réorganiser à nouveau, il faut, à mon avis, rester, oui, très clairement, c'est central, il faut rester attentif aux bienveillances des autorités politiques, il faut critiquer l'influence des grandes entreprises et de la finance, et c'est sans aucun doute un des principaux leviers d'action. Mais il me semble aussi important, et ça va être mon mot de la fin, de nous demander quelle société nous voulons, et de nous méfier jusque dans notre quotidien de la célébration des technologies de l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. Il y a une question qui s'impose un peu naturellement au vu de la crise qu'on traverse là maintenant, qui est en train de tout chambouler, de redessiner un peu nos habitudes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est au final une porte de sortie, une solution avec cette crise de l'électricité? Est-ce que vous pensez que ça permettrait de repenser nos habitudes? Vaste question. Vaste question. Je pense que c'est là où on va voir toute la difficulté de ce que je pointe à la fin. C'est que c'est bien joli de dire en théorie on veut consommer moins de pétrole. Quand il s'agira d'avoir froid cet hiver, peut-être on sera moins partant. Et c'est vraiment, je pense, la complexité de cette affaire. Ce n'est pas une très bonne réponse, mais c'est ce que m'inspire les recherches que j'ai pu faire. Merci beaucoup et bravo encore.